Salut à toi. Alors, dans cette session, je voudrais simplement discuter avec toi des plaisirs de la vie. En effet, avoir une vie remplie de plaisirs, une vie que l'on apprécie. Par exemple, il y a des personnes, récemment, j'ai rencontré un Français, il n'aimait pas sa vie en France et il a voulu déménager. Il a déménagé en Thaïlande et finalement, maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'il habite en Thaïlande. Il a ouvert un restaurant, il s'est marié avec une Franco-Thaï et il adore sa vie. Et voilà, parfois on va dans un pays, même si le coût de la vie est bien plus bas, il faut aussi évidemment prendre en considération que la devise est beaucoup plus basse et que ce que l'on gagne sera plus bas si après on veut voyager dans plein d'autres pays. Évidemment, si on habite en Thaïlande et que notre salaire est, par exemple, je ne sais pas, on a un restaurant en Thaïlande, on aura un salaire plus ou moins de la norme des patrons en Thaïlande. Donc, ce sera toujours plus dur pour voyager ailleurs. Donc, baser sa vie sur ce que l'on veut faire, si tu veux rester en Thaïlande, là, c'est parfait, ou aux Philippines, ou bien dans un autre pays où le coût de la vie est moins cher, mais évidemment, ce sera plus dur de voyager. Si toi tu veux rester là, là c'est génial. Si tu veux aller habiter à Panama et avoir un petit resort, des bungalows près de la mer, c'est génial. Alors, il fait l'heure récemment, je lisais l'histoire de Vivo Voco, c'est un coworking à Panama et c'est un couple, je pense, britannique. Le mari, c'est un développeur informatique, comme moi d'ailleurs, et il a mis Internet d'ailleurs dans ses bungalows. C'est sublime, c'est loin de tout, c'est sur une petite île de Panama. Donc, le pays juste à côté du Costa Rica. Moi, par exemple, j'adore voyager. C'est pour cela que le pays où je me trouve, c'est important que je gagne suffisamment avec une devise assez haute, suffisamment forte pour pouvoir me permettre de voyager dans plein d'autres pays. Donc, l'euro est pas mal, le dollar américain ou bien le dollar canadien, c'est pas mal. Donc, habiter ou vivre, avoir je veux dire, être payé si tu peux travailler très bien avec un remote job, donc un travail, faire du télétravail, mais ta société te payera et la société sera basée au Canada, aux États-Unis. Moi, par exemple, je travaille en Australie, ma société est basée à Sydney, évidemment, j'ai un salaire Sydney et le dollar australien, eh bien, est assez élevé. Donc là aussi, c'est un avantage. Je connais aussi des personnes qui habitent en France, mais ils habitent dans un tout petit village en France, mais leur société pour laquelle ils travaillent, eh bien, est basée à Paris. Donc, ils ont un salaire de Paris très souvent et du coup, le salaire est beaucoup plus élevé. C'est pareil en Australie, il y a énormément de personnes qui font un travail, finalement, un remote job, mais depuis une société, par exemple, basée à Sydney. Comme ça, ils ont un salaire beaucoup plus haut et eux, beaucoup plus élevé, pardon. Et eux, ils travaillent, par exemple, de la ville où ils adorent. Moi, j'adore Adélaïde. Il y a d'autres personnes qui adorent Perth ou bien même Darwin, peut-être. Et ils n'ont pas envie, voilà, ils ont simplement envie de gagner un peu plus. Et comme ça, ils peuvent voyager aussi dans plein d'autres pays. Donc, tu dois designer ta vie exactement de la manière dont toi, tu veux ta vie, dont toi, tu as envie que ta vie soit. Tu dois prendre toujours cela en considération. Et si ça te tente, si pour toi, tu te dis, ben voilà, oui, en effet, ça, c'est parfait pour moi. Je vais donc designer ma vie, d'accord? Ce que j'adore, ce qui me procure du plaisir, peut-être c'est cocktail le soir, avoir un beach club ou habiter près de là. Tu peux habiter peut-être à Madère, tu peux habiter peut-être dans une île, peut-être sur l'île Méditerranée. Et tu vas peut-être soit être freelance, soit tu vas peut-être faire de l'édition de vidéos. Donc tu vas éditer des vidéos pour les youtubeurs et autres, pour les influenceurs, et tu vas gagner ta vie comme ça. Ça peut être qu'un début. Évidemment, c'est un pas après l'autre. Ça peut être le premier pas vers le chemin de la vie que tu voudrais avoir. Il faut peut-être commencer par d'abord te faire connaître, avoir une certaine notoriété. Après, tu peux éditer un livre, tu peux faire autre chose. Et petit à petit, comme cela,
tu vas designer la vie de tes rêves. Pour aller encore beaucoup plus loin dans ton amélioration personnelle, d'ailleurs, je t'ai aussi concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie. Et d'ailleurs, il y en a aussi un autre atelier qui s'appelle Votre Vie Rêvée, le Lifestyle Job. Et tout ça, ça se trouve sur mon site pierre-loiter.com, c'est pierre-loiter.com. Là-dessus, tu verras un lien qui s'appelle Mes méthodologies et tu pourras acquérir ces ateliers, le Lifestyle Job et l'autre atelier qui s'appelle Belle Vie. Et d'ailleurs, pour la petite information, là, je me trouve dans mon espace de coworking parce que je travaille à Adelaide. Mais j'aime pas travailler, j'aime pas faire du télétravail depuis mon appartement. J'aime bien avoir un environnement séparé. Donc mon appartement, j'habite à 5 minutes à pied, même pas 3 minutes à pied de cet espace de coworking. Et je m'y rends ici pour travailler. Ici, c'est le week-end parce qu'il fait très chaud chez moi. Maintenant, il y a 40 degrés à l'extérieur et mon appartement, il fait très chaud aussi. Donc je vais dans mon espace de coworking parce que l'air conditionné aide énormément ici. Tu as l'air conditionné non-stop. Ça aide, c'est assez agréable. Donc tu vois, même si par exemple moi, ma société, elle est basée à Sydney, je vais souvent à Sydney parce que j'aime bien aussi voir mes collègues, j'aime bien aller dans les bureaux. Peut-être qu'après je vais déménager à Sydney, même si le coût de la vie est très cher. C'est l'une des villes les plus chères du monde. C'est la même chose si tu habites au Royaume-Uni. Eh bien, Londres, ça paye mieux, mais Londres, la ville est très très chère aussi. Donc peut-être que tu pourrais habiter en Écosse et travailler pour une société basée à Londres. Et, ou bien faire du télétravail, trouver des clients. D'ailleurs, il y a énormément de personnes qui travaillent par exemple dans les pays comme en Thaïlande, comme au Cambodge, aux Philippines, ça pourrait être en Malaisie, en Indonésie, à Bali. Et ils vendent leurs produits pour des Européens, pour des Américains, et donc ils vont recevoir une devise beaucoup plus élevée. Ça sera par exemple, ils vont demander leur devise, ça sera l'euro. Les clients vont les payer en euros ou bien en dollars australiens. Le prix sera un prix pour les personnes habitant aux États-Unis ou en Europe ou au Canada, mais eux, ils habitent à Bali. Et là, c'est le mieux du mieux parce que tous leurs frais seront très très bas et pourront toujours voyager énormément, très facilement, parce que ce qu'ils vont recevoir, eh bien, ça sera une devise très élevée et avec un prix évidemment très élevé parce que les pays, leurs clients seront basés dans des pays où évidemment le coût de la vie, non, mais ce qu'ils reçoivent, évidemment, sont des pays plus riches. Donc, pour eux, 200 euros, ça va, ils savent payer 200 euros, c'est pas un salaire d'un mois, 200 euros. Par contre, eh bien, si tu habites à Bali, les personnes locaux de Bali, 200 euros, c'est un salaire d'un mois, même un bon salaire. Voilà, c'est tout pour cette petite session. Dis-moi tes retours, je suis toujours à la recherche de retours et je te souhaite une excellente journée. Sur ce, ciao.